Salut à tous, c'est Caïm53, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire. Et vous le voyez derrière, la nouvelle moto qui est arrivée. Donc elle est toujours en rodage. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo pour le rodage, etc. Personnellement, j'en vois pas spécialement l'intérêt. Mais si ça peut vous faire plaisir, pourquoi pas. Donc je vous présente un petit peu la nouvelle moto. Donc c'est la 150 YCF SP1, Factory SP1. Ça change énormément de la 125, et même si elle est toujours en rodage, je peux vous dire que même en rodage, elle est encore plus puissante. Enfin bref, on expérimentera ça par la suite quand le rodage sera terminé et que je pourrai aller sur les terrains, etc. J'ai gardé l'autre moto, pour ceux qui se posent la question, parce que beaucoup me l'ont posé sur Facebook et Twitter, etc. Je garde l'autre moto, pourquoi ? Pour tout simplement, quand j'ai envie de rouler avec mon père, je lui prête, etc. Ou quand il y a des potes qui viennent chez moi, je leur prête aussi, c'est toujours mieux de rouler à deux, etc. C'est plus drôle. J'espère que vous m'entendez assez bien. Enfin, je pense pas, parce qu'il y a pas mal de vent quand même. Vous faites la merde. Aussi, pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que j'ai changé la façon de mettre ma GoPro. Regardez, elle va être sur le côté de mon casque, avec cette petite accroche. D'habitude, elle était sur mon torse, donc ici avec un harnais. Ou sinon, la première vidéo, elle était sur le haut du casque. Ou sinon, il y avait un endroit aussi que je mettais ma GoPro, c'était ici là, sur l'autre, sur la 125, je la mettais ici. Et ça faisait, aïe, connasse de branche de merde, ça faisait une vue pour le guidon. Voilà, donc petite particularité aussi sur cette 150, c'est qu'il y a, enfin moi j'étais pas habitué vu que c'était ma première moto, la 125, elle avait une béquille, et là il n'y a plus de béquille. C'est comme les crosses, elle n'a pas de béquille, et ça me fait un peu chier honnêtement. Parce que moi là j'étais habitué à poser ma 125 n'importe où quand je voulais me poser ou n'importe où, etc. Que là faut toujours que je trouve un mur ou un truc comme ça, et ça me fait un peu chier. Mais bon, c'est qu'un détail, le principal c'est la puissance et ce qu'elle donne, c'est cool. Et attendez, je vais vous faire voir un petit peu de plus près. Je vais l'avancer. Putain, j'étais un petit peu enlisé la mer. Regardez les différences la différence par rapport au, comment ça s'appelle, à la 125 que j'avais, je sais pas, vous l'avez pas vu vous-même, mais il y a ça qui change, le kick est carrément, enfin on voit directement qu'il est d'une meilleure qualité. Le frein pareil, il y a plein de trucs, il y a le pot, tout a changé. Le filtre air, regardez, c'est une boîte à air, enfin je sais pas comment ça s'appelle exactement. Le carénage là, il y a tout ça qui a été rajouté parce que sur l'autre il n'y avait pas ça. Enfin bref, carrément différent de l'autre, et ça fait plaisir. Je sens que je vais vraiment m'amuser. J'ai vu le patron d'YCF quand j'étais chercher la moto, il l'a essayé sur le terrain et j'ai encore de la marge, je pense que je peux encore l'exploiter, je peux vous le dire. Bref, bon allez, on va les tester un petit peu. Comme je vous l'ai dit, elle est toujours en rodage, donc on y va gentiment, moitié de gaz. La prochaine vidéo, je vous la ferai quand le rodage sera terminé. Je sais pas si je vais rouler vers chez moi ou sur un terrain, mais je pense que ce sera vers chez moi. Mais je vais m'arranger quand même pour aller sur le terrain que vous avez déjà vu la dernière fois. Et voilà. Dernière chose aussi, j'ai acheté une remorque pour ceux qui me suivent sur Facebook et Twitter ou Instagram, bien sûr. Instagram aussi d'ailleurs. Je vais vous mettre dans la description pour ceux qui veulent, parce que je le partage quasiment jamais. Il doit y avoir quoi, 6000 personnes dessus, donc c'est un petit peu des photos exclues on va dire. Et oui, donc j'ai acheté une remorque, ça va pouvoir me permettre d'aller n'importe où, d'aller sur tous les terrains qu'il y a vers chez moi, parce qu'il y en a pas mal, et d'emmener mes deux motos, parce que j'ai pris une remorque pour les deux motos, ce qui va être plutôt sympathique. Voilà, allez, stop le blabla et on va y aller, c'est parti. Petit chat là-bas. C'est quoi ce chat? Au
pas ça, je sais pas si vous allez m'entendre sur avec cette vue là. Donc pour l'instant excusez-moi si on m'entend pas, mais je verrai ça au montage. Comme je vous ai dit, c'est un petit test, donc on verra bien. Voilà. Je sais pas si vous pouvez débarrer le plus cher. Regardez, même à moitié de gaz, elle lève tranquillement par rapport à l'autre. Et ça me change pas mal. Après il y en a pas mal qui sont habitués aux 250, etc. Et pour l'instant j'ai pas de niveau, donc voilà, pour l'instant je. Pour l'instant ça me suffit.
à vous de me dire un commentaire. Allez, à la prochaine, salut tout le monde.